Allez, nouvelle course. Nouvelle course. La course longue. Course départ inversé de 15 tours. Le 15 qui s'est un petit peu raté. Non, ça va. Attention derrière, parce que décale, ouais, ouais. Attention à Perrault, parce que Perrault, il doit avoir good player. Il y a Yann Kahn aussi, ouais, qui a tenté là. Tout le monde s'est calé. C'est joli à voir. Perrault, ouais, s'échapper Volcan. C'est Seb, Seb tente de passer Volcan. Dans le double droit, ouais, c'est compliqué, ouais, là. Et qui c'est qui est parti? Oula, il y a quelqu'un qui est. C'est Seb qui revient sur la piste, attention Volcan. Oh là là, il y a de fumée, il y a de la fumée partout. Oh, oui. Oh, Snow est passé. Oh là 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 là. 3 Immortal. Immortal en profite, Immortal en profite. Immortal est passé, non? Oh, il s'est fait laguer un petit peu. Il y a un petit lag avec. Attention à Snow, attention Snow, il y a Ian Kahn, attention au contact. Ouf, ça se bouscule, ça se bouscule. Seb est pas trop loin, ça va. Allez, le passage au centre en terre pour Immortal, qui est à l'aspi sur Volcan, qui va attendre, bien sûr. On va pas tenter l'intérieur tout de suite. Attention, c'est peut-être à la chicane que ça va jouer, par contre. Et Yann Kahn tente. Et Yann Kahn tente l'intérieur sur Volcan et réussit parfaitement. Ouh, il y a un léger contact, mais rien de grave. Ça a été très belle manœuvre de Yann Kahn. Très beau dépassement là. Dans une zone vraiment pas facile en plus. Hein. Et du coup, maintenant on a Snow sur Volcan. Allez, attention, on arrive dans la zone de l'épingle. Volcan qui maintient Snow. Snow, très bon démarrage de Snow. Volcan. Ouais, Volcan est parti à l'extérieur complet. Et les deux ne se décident pas avant Spoon. Et Snow passe. Snow passe. Attention au freinage de Snow. Ouais, ça bloque bien. Du coup, Snow prend légèrement ses distances avec Volcan. Oh, attention à Yann Kahn. Attention à Yann Kahn, il a Snow sur lui là. Oui, oh, il y a Immortal aussi au contact de Loops.
Allez, Loop, c'est immortel dans Spoon. Allez, à l'approche du centre en terre, Immortal sur Loops. Beaucoup de fumée, c'est Good Player qui s'est loupé dans la chicane. Oui. Et du coup, Loops Immortal, Snow passe également, Volcan et Yankan. Allez, c'est dommage pour Good Player, là, qui tenait une bonne deuxième place, si je ne m'abuse. Et c'est Loops qui va dépasser Immortal. Avec Snow, son côté dans l'intérieur, et Loops va peut-être se louper. Attention, Loops. Ouh, ça s'est pas passé, joué à grand chose. Allez, Loops qui reste au contact d'Immortal. Attention dans les S, pas de choc. Et derrière, c'est pareil. Et les quatre hommes coude à coude maintenant. Et Immortal qui prend ses distances. Immortal qui prend ce qui a réussi à prendre ses distances légèrement sur Loops. À la sortie des S. Oh, il y a bouchon dans l'épingle. Snow sur Ian Khan avant Spoon peut-être. Et le contact entre Ian Khan et Snow. Ian Khan et Snow. Perrault toujours en tête. Hein. Ouais, Perrault est toujours en tête. Ouais, Loops, il suit hein, quand même. Il avait peur d'être. On a Volcan et Good Player aussi qui sont proches. Oh, attention Snow. Oh là là, il est encore mordu avec la roue arrière, il me semble. Oh, et Snow. Snow Sloop, ouais. Ah, il perd de vue et Ankan là du coup. Et Ankan sur Loops. Oh, et Good Player 8ème. Ah oui, Seb a dû le prendre. Oui, il a dû le dépasser dans le premier virage numéro 1. Soleil en pleine gueule. Ils économisent un peu les pneus là. C'est pas la même. Allez, Perrault qui arrive à Spoon. Immortal derrière lui, deuxième place. Loops, Ian Khan. Ah, il y a des écarts là. Hein. Sauf entre Good Player et Seb. Et entre Ian Khan et Snow. Ian Khan et Loops, pardon. Allez, Ian Khan et Loops dans le 130R. Oh, Ian Khan. Ouais. La roue arrière droite sur un strotteur.
Allez, on suit Yann-Kan toujours dans les S avec Loops. Allez, les écarts, une seconde 4 entre Perrault et Immortal. Et on a 7 dixièmes entre Loops et Yann-Kan. Oh, Yann-Kan qui se fait encore peur au même endroit, attention! Ah, il le prend très large, hein, le 130, à la sortie du 130 R quand même. Hein. Allez, bonne chicane pour Loops et Yann-Kan. Immortal sur Perrault, hein, presque, hein, aussi. Oui. Pas loin du tout. Il est revenu fort. Hein. Qui va aller au pit? Ouais. C'est ça. C'est la grande question qu'on va avoir d'ici la fin de ce tour. Au Perrault large à la sortie du 90 là. Ouais. Mortal. Il est derrière. Et là. Mortal, il est juste derrière. Au Perrault, ouais, qui avait encore les pneus sales, certainement, sans doute. Stécal, Immortal. Attention. Perrault prend l'avantage. Ça passe pas. Ouais, et là, ça va passer. D'ailleurs. Ça va passer. Oh, il y a contact entre Immortal et Perrault. Oh, joli. Aspi, il veut passer au 130. Non. Non, il va tranquillement. Voilà. C'est Perrault, y aller. Perrault, ouais, et Immortal a hésité, on dirait. Hein. Oui, oui. Et Yann-Kan également. Ah, Yann-Kan y va, nous reste. Volcan reste. Seb. Ça sent le pit pour Seb, il est à 4 derrière, oui, voilà. Et Good Player. 3 derrière, carrément. Il voilà, au pit. Alors attention à la gestion des pneus, parce que s'il est qu'à 3 derrière, là il a fait que 7 tours. Hein. Il faudra qu'il en fasse 8, prochain relais. C'est ça. Et ça va peut-être être moins drôle pour sa fin de course, du coup. Il a quand même perdu de temps. Spero est reparti sans ralentir. Parenti. Voilà, Spero est reparti 5e et Yann-Kan 6. Ça passe sans encombre pour Perrault et Yann-Kan, double droit, virage numéro 1 et 2. Allez, là, l'épingle pour Immortal, qui est suivi par Loops, Snow. Volcan, quatrième. Alors tout ce petit monde est dans les S.
Spiro et Ankan. Seb et Good Player beaucoup plus loin. A priori, ouais, il est quelques centaines de mètres. Allez, Immortal, avec ses pneus à 4 à la bord du 130R. Allez, Immortal, la chicane, donc ça... Voilà. Rapité. Oh, il a consommé comme un porc. Oui, il va falloir faire très... Non, en fait, finalement, oui, non, il lui restera passe, 7 mais... tours. Il lui restera 7 tours, mais effectivement... Allez, Loops au pit, Snow au pit, voilà, sans surprise, Volcan va y aller aussi, sans surprise... Il va passer, il va me gêner. Alors, Perro, 130R. Ah, si, oui. Loops, ça a dû être gêné, non ? Ça a été gêné, oui. Ouais. Mais c'est Immortal qui va être gêné à son tour en sortie, du coup. Je suppose. Alors, on retire. Très peu. Où vont-ils ressortir ? Et ça arrive pour Snow, Perron, je veux dire. Ça arrive fort. Et il ressort devant Immortal, logique. Ouais. Et là, Ian Khan derrière lui qui est lancé. Immortal. Parce qu'il y en a qui coupent la ligne. C'est le premier à le faire. C'est pas bien, Loops. C'est pas bien, Loops. Et Ian Khan au contact sur Immortal. Ouais. On a vu qu'il y a un undercut profiter à ceux qui s'arrêtaient en premier. Bon, après, ouais. La fin, ça devient plus compliqué. Bah, disons que oui, tout dépend. Si ça se trouve, les premiers à être rentrés en pit sont rentrés au pit dans l'ordre. Et ils étaient bien l'un derrière l'autre dans les pits et du coup, il n'y a pas eu de problème. Et là, peut-être qu'ils étaient plus dans le désordre sur ce deuxième relais. Donc effectivement, ils ont peut-être perdu du temps. Allez, on a trois hommes là pour la première place. Perro Immortal et Ian Khan éventuellement peut se mêler aussi. Allez, Perro dans 130R, suivi d'Immortal et d'Ian Khan. Et la chicane. Oh, Ian Khan qui a traversé là, qui a mordu, pareil pour Loops, derrière. Qui est directement allé sur le vibreur à l'entrée. Allez, virage numéro 1, Immortal et Ian Khan, ça passe sans problème, Snow. Ou Seb, tout en travers. Allez, Immortal au contact de Perro. Au Perro à l'extérieur dès le premier droit, à l'extérieur dans le deuxième droit également. Oh là là, il salit beaucoup ses pneus là. Ça va peut-être lui porter préjudice au redémarrage à l'épingle. L'épingle. Ah, il s'en sort bien. Et voilà, Immortal au contact. Immortal au 130R, il tente avant.
Perrault à l'extérieur. Attention Perrault au retour des Yankan éventuellement derrière aussi. Un petit peu loin Yankan. Dérive de Perrault. Il lâche pas ses pneus, Perrault. Il a fait presque nuit. Seb, il est allé directement au vibreur sur le premier, sur le virage numéro 1. Non, c'est à l'entrée du virage numéro 2, pardon. Allez, Immortal à la bord de l'épingle. Oups, il attaque. Et il va passer Yankan. Attention, contact entre Yankan et Perrault. Ouais, ça passe. Ça passe pour Yankan. Attention, il y a Loops maintenant pour Perrault derrière. Allez, Immortal, virage numéro 1. Oh, et Loops. Ouf. On attaque beaucoup trop sur ses pneus. Encore un contact entre Loops. Attention, contact entre Loops et Perrault. Oh loup, Perrault, ouais. Il est mal là. Il va être obligé de laisser passer. Oups. Tendu. Attention parce que Perrault peut prendre l'intérieur. Il ressortira mieux forcément. Joli Loups. Bon boulot. Et maintenant il a Snow. Perrault encore en travers. Ah, ouais, il abîme, hein, il abîme. C'est tendu là. Ouais, ouais. Il va tenter l'intérieur. La chicane. Oh, ça va qu'il s'entend bien. Ça passe. Ouf. C'est beau, c'est joli. Ouais, et Perrault, là, on sent même dans les virages simples. Il est déjà un de moins, hein, il est déjà un de moins. Sur ses pneus, Snow qui freine très tard, là, qui a vraiment appuyé, hein, fort. Et qui ont contact de Loops. Oh, et contact, violent contact là entre Loops et Snow. Allez, Loops en travers, attention également à ne pas dégrader ses pneus prématurément.
là, l'oups. Travers, ouais. Ah, mais attention, parce que là, il y a les libreurs, il y a le... C'est pas une portion très large. Il tente nous, il ressort ouais. Mieux. Là, d'où ça passe Loops. Oh, joli. Ouf. Belle résistance de Loops, là. Quelle bagarre pour le podium. Ah, parce qu'il y a une canne là. Hein. Mm-hmm. Ça sent le chaos. Ça sent le chaos, cette affaire. Ouais, il tente comme apéro. C'est... Oh, il veut tenter les deux! Attention, Yann Can! Et finalement! Il repasse, Loops! Et Loops est repassé! Il a voulu s'appuyer sur Yann Can. Ça n'a pas marché. Oh, et Loops qui recherche la spi! On assiste à distance. Oh là là, Loops! Ce qui tente là! Non? Ouais, il y a Perro derrière, ouais, on l'a senti là! Quel dernier tour, enfin, les deux derniers tours de Full League, on va voir. Pour la deuxième place. Et Perro commence à lâcher. Hein. Décroche, décroche, donc on va se remettre sur Snow. Oh, Loops! Oh, le travers de Loops, très violent! Oh, il envoie tout le monde avec lui! Aïe, 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 aïe! Eh oui, et du coup, Snow perd gros, là. Volcan passe. Et Perro. Et Perro, oui. Ah oui, ils sont deux. Et Seb qui passe. Au tapis. Ça peut que mal finir, cette affaire. Et du coup, le podium est fait, hein, a priori. Loops et Yann Can immortal. Là, il y a de l'écart en plus. Et c'est Snow qui va essayer de récupérer sa cinquième place, du coup. Alors, il n'y a pas de dégâts par an, étrangement. Alors, je sais pas si... Ouais. Bizarre. A priori, non, parce qu'il arrive à suivre le train de Seb parfaitement. Ouais, c'est possible. Allez, on va rester sur Snow, du coup, sur cette fin de course. On va voir s'il arrive à aller chercher Seb. Parce que devant, je pense que c'est fait. Je regarde quand même, j'observe la carte, la map. Oui, c'est fait. Il y a des dégâts pour Loops à l'arrière. C'est fait, victoire d'Immortal. Non, il reste des tours, pardon, il reste un tour. Excusez-moi. Je pensais que j'y étais déjà. Mais il reste encore un tour et c'est de la folie. Donc du coup, ouais, Snow est un peu à l'écart maintenant de Seb. Allez, Immortal, seul premier, on va le laisser finir. Alors attention, Loops et Yann Can, c'est pas terminé du coup, parce que... Ah oui, et Loops, effectivement, train arrière démoli, Loops. Mmh. Ouais, mais il va finir. Ouais, il va finir, mais en quelle position? Parce qu'Yann Can est derrière, et Yann Can, il est nickel. Yann Can 3 et 4 à l'arrière, il est à l'agonie avec ses pneus. Ouais, mais le train arrière de Loops va pas aider. Il s'en sort bien, ouais. Donc on bagarre avec Sam. Ah, également, on a deux bagarres. Alors attention à l'épingle pour Snow. Oh, Seb qui a beaucoup dérapé là. Et Loops et Yann Can sur Spoon. Oh ouais, c'est encore plus proche là, entre Snow et Seb. Seb à l'extérieur, Seb à l'extérieur. Eh ouais, et c'est terminé pour Seb. Sixième.
Mais c'est pas fini, Yann Can Loops. 130 air derrière. Sans côte côte. Ah, Yann Can, attention. Et ça signe. Ouh, Yann Can, attention, parce que. Ouais, il y avait Volcan derrière quand même, hein, qui menaçait, mais c'est fait. C'est fait. Immortal Loops et Yann Can. Loops a bien résisté dans les derniers tours, malgré son train arrière démoli. Volcan est quatrième, Snow cinquième, voilà. Ça va terminer comme ça, 6, Seb, 7, Perrault et 8 good players a priori. Quelle course on a eu, c'était fou. Oh, Immortal qui a mis 15 secondes. Bon, après, ils étaient en bagarre. Où est Good Player ? Il était pas si loin, hein ? Je ne sais pas. Non, non, il est pas si loin normalement, Good Player. Hein. Va voir, mais effectivement, il tarde un peu. C'est bon. Et voilà, 1:20. Ouais. Eh ben disons, si c'est comme ça toute la soirée, on s'amuse, c'est sympa. C'est génial.